Bonsoir, bonsoir, bonjour, bonjour. C'est Congo News 24. Chers téléspectateurs, Breaking News. Le DG de l'OVD placé sous mandat d'arrêt. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Chers téléspectateurs, OESA Breaking News, donc DG à OVD, à Landiba Ningane Namakala. Situation là est, sur le fond, OESA Pesaki, Baramos, Nafoner. Il a été placé ce samedi sous mandat d'arrêt provisoire à la prison de Makala par le procureur près de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Situation a yé, en tout cas, ils appartiennent à fond, oyo, ba pesaki baramos. Boyebe te bango tu bazana makala, alors mon ami te ba tune ba question, alors tant ba tune ba question, ba moni ke oui, yepe, Alembongo. Alors, ndenga zawana azana katia makala. Ba pese dja place na epe chambre na ye. Benjamin Wenga, directeur général de l'office de voirie et drainage, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire à la prison de Makala. Son mandat d'arrêt provisoire est en rapport avec les travaux qui auraient dû être réalisés après les recettes des fonds. Donc, après recette à fonds, Mbongo va pesaki baramos. Ne bozo mona yekuta bendi bagrala do ye pasakuna. Ya somo banda kunde bozo mona 31 propriétés dont 13 achetées à un an. Do bato ba sasipe na Mbongo ya trésor public. Siko leba pesi baramos Mbongo, yepe ba pesi ye Mbongo na ye. Alors, ya bendi bala, Mbongo eza wapi. Wa musala OVD basali. Alors, bandeko, tolwa ke chene za mulai. Deje OVD afunda ki kamere. Alors, il y a un peu de caméra. Nous avons dit, ma soeur est à Katina. Qui c'est qui s'acquise? Donc, situation là, chers téléspectateurs, ils ont parmi ma situation pour le moment, bisous tout aux autres. Oyo, tout source est à Kakamoko. Caméra. Yemoutou. Azaiko dirige ba financement nyos ne bola ne mission to pesaki. Bat o yifu ba bomba bango parce peuple congolais azana besoin mbongo. Mbongo wana peuple congolais fale. Talabe taba tu bazana ngo. Fale bat ba vivre vimo abime ba mbonzo kenda ba posha bat. A mi-février, le procureur avait entendu plusieurs personnes, dont le directeur général de l'office de voirie et drainage OVD, office de route, ainsi que les responsables des autres entreprises CRSC7 et Safricas. Ils avaient été auditionnés sur l'utilisation des fonds publics reçus pour la construction des programmes de 100 jours. Alors, monsieur Benjamin Wenga, wapi mbongo, mutakomika kubeta munoko. Ah, batu yo, boko bata mate, pase bino nyonso. Yango chers téléspectateurs, toujours neto zoloba, il faut féliciter. Et ta ou yu bati ba magistro bati et to félicité mi président de la République. Yem ta tie état de droit wana. Changé ba magistro li bosso parce que ba magistro li bosso ba zaki très lent na ba décision.
alors ba tie ba magistrat sika ba magistrat sika ba koti ba vandi simaka mission na bango eza clair oyiba kimbongwa e desi kuzonga na kesa lita bakolanda na ba immeuble makambu ebele mais nanu bakasaka na projet ya 100 jours tango 100 jours bango tu bakoti bango na makala ba récupérer bambongo na ba bank pass ba wala na bambongo na bango nyonso on va récupérer tous les fonds asala ki presa pe na audition na makala tamba otu na ba question na njoka ndi ya yebi pe makala azobata tant que le président de la République a une visite dans le chantier, il y a des explications. En tout cas, le président de la République, il y a des freins, tout ça. Alors, il y a des gens dans la caméra. Il y a des gens. Il y a des peuples congolais qui ont été l'état de droit en marche. Yango to mona kite. To ya kupesa bandi kona biso breaking news. Donc, Benjamin Wenga, directeur général de l'OVD, aza namakala. Donc, comme voisin, na kamere, kuna skoma solo, bo beta bino na binonde boza oyiba wala, na oyo, Baramos, oyo lelo DG OVD a koti a kekuna Baramos, naba oyo ya benda ki balar, anko Baramos a benda ki belei. Alo bango tumena ba obeta masolo na kati ya makala. Donde bazan, bazan anda kwa mulili, bako ume na pase masolo na bango. Ifu batala nga tapre demu, tapre tromo, baza la kuna. Après, il y a un tas de maçons, bien, il y a 4 ans, 5 ans, 5 ans, il y a un bon moment. Alors, chers téléspectateurs, tu comment tu cabines? Et c'est un breaking news pour être vous informé. Au revoir, à la prochaine.